Est-ce qu'il serait pas temps, les amis, de se faire un petit peu de Skibidi Toilette? Il faut qu'on continue à se mettre à jour pour les Skibidi de Dome Studio. Petit à petit, on va finir par être à jour par rapport à la série de Dome Studio. Du coup, c'est parti, nouvel épisode, on y va. Là, ça va être génial parce que c'est l'épisode 29 au complet. Mais même, ce qui est encore mieux, c'est que dans l'épisode complet ici, où il a compilé les deux parties de l'épisode 29, on a même une secrète scène. C'est étrange comme ceux qui peuvent contrôler le temps sont les derniers à arriver. Tu veux que j'arrête le temps pour une promenade? Ne recommencez plus. Quelles sont les nouvelles? Donc il parle maintenant, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il parle. Sept dimensions différentes. Et enfin, je vous ai tous à ma portée. La boucle n'est plus. Il reviendra. Et en vrai, ça rajoute quelque chose, le mec qui parle. Là, on ne peut rien y faire. Arrête d'agir comme ça. Tu sais que nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Les bonnes personnes font de mauvaises choses parfois, avec de bonnes raisons. Et quelles sont ces bonnes raisons? Enfin, quelles sont ces fichues raisons? Vous ne comprendrez pas. Désolé, mais cela ne sert à rien de t'expliquer. Mais je vous assure que tout ce que nous avons fait et ferons, c'est pour le bien de l'avenir de nos amis. Disons simplement que vous ne pouvez pas. J'ai pas compris. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Oh, je suis là pour vous détruire. Oh là là là, c'est incroyable. Dialogue plus l'animation comme ça de qualité. Et ça, je trouve que ça rajoute vraiment une qualité en plus. Aux animations là, c'est incroyable. Seulement ils pouvaient tous parler comme ça dans les épisodes de Skibidi, on serait encore plus dans l'immersion du truc, je trouve. En tout cas, Dome Studio, vraiment respect. Hein. Depuis le tout début, ils font un travail monstre, ridicule. Je suis la source de tous les pouvoirs des horloges. Et pourtant, vous, avoir une chance, vous pensez avoir une chance, quelque chose ne va pas chez vous tous. Vous n'avez pas votre place ici. Je le trouve un peu arrogant quand même. Ce n'est pas terminé. Et il se barre via une sorte de mini portail. Ok, bon lui il rigole pas. Qui va lui signaler ça? Moi je vais aller prendre un bon repas. Hein. Allez, allons-y. Je sais pas de ce qu'ils sortent d'eux. Ils étaient un petit peu étranges ces personnages. Ok, transition du coup. Là on est après un combat sur un certain vu l'état de la ville. Et on retrouve les soldats cameraman. Et eux je suis pas sûr qu'ils parlent. Je pense que ceux qui parlent c'est surtout les personnages très importants. Tous les sbires et tout, je pense pas qu'ils parlent. Enfin avant ils parlaient pas en tout cas. Tais-toi les Skibidi, tu vas te prendre une balle, même deux balles. Et voilà, un mort, deux morts, trois morts. Et tous ceux qui sont derrière vont certainement y passer aussi également. Oh là 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 là, les armes surpuissantes. Des armes du futur. C'est bon? Vous êtes débarrassé des Skibidi ou ils sont toujours là? Oh, oh, quoique j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. On a... Ah oui, c'est le grand-père, ok. C'est le grand-père qui fait son grand retour. Avec ses lunettes là. Plutôt stylé en vrai. Voilà, il faut se planquer, parce que bon, des petits Skibidi, ça va, tu vois, c'est facile à se débarrasser. Mais le grand-père, vous avez vu comment il est énorme ou quoi? Sans les titans, je pense que c'est vraiment impossible de l'abattre. Et en parlant de titans, mesdames, messieurs, est-ce que ce serait pas l'arrivée d'un titan? Il va peut-être regarder sur sa cam. Alors, ce qu'il dit, grand-père, on est sonné? Eh ouais, mon pote! Le titan caméraman, armé jusqu'au cou, qui est prêt à en découdre avec le Skibidi grand-père. Ah, il est grand-père qui n'a pas l'air d'être très effrayé. Peut-être qu'il est un peu confiant là. On va lui faire redescendre un petit peu d'un étage. Voilà, on réceptionne les roquettes. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu parles au titan caméraman là, mon ref. L'un des meilleurs titans. En même temps, bon, ils sont pas non plus un milliard, mais... Toujours aussi balèze. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le premier titan qu'on avait vu dans l'univers des Skibidi Toilette? Je pense que si, hein. Je pense que c'est clairement l'un des premiers titans. Oula, par contre, diminue un peu le son, parce que là, c'est en train de me fracasser les oreilles. Et on a un combat de Zanzibar, là. Oh là là, ça s'échange des coups. Oh. What? Il a réussi grâce à son aimant à récupérer le marteau? Il va faire quoi le titan cameraman? Il le récupère? Oh là là, il va se passer un truc de fou, c'est sûr. Je sais pas ce qui va se passer à la fin. Est-ce que titan cameraman va gagner? Est-ce qu'ils vont tous les deux se mettre KO? Over my dead body? Oh, on a le titan cameraman qui est là. Par contre, il n'y a pas les trades pour eux, c'est bizarre. Peut-être que leurs voix sont trop modifiées et YouTube n'arrive pas à capter les... ce qu'ils disent. Portail? Oh la reine, tu commences à aller mieux mon vieux. S'adresse au Skibidi grand-père là. Hein. On te comprend pas, frérot. Vraiment, genre, j'essaie de faire un effort, mais je te comprends pas. Je suis devenue assez audacieuse, n'est-ce pas? Ce titan est sans espoir. Tant qu'il continue de se retenir, il ne sert à rien. Elle voudra le contrôler, je pense. Eh bien, je suppose que c'est mieux que de l'avoir contre nous. Ah ouais, donc là, il tient avec la reine. En plus, je n'ai pas besoin de lui de toute façon. Ça m'a pris assez de temps pour le faire, préparer le jouet préféré de mon maître. Attends, mais tu vas me dire qu'elle a encore quelqu'un au-dessus d'elle, genre? Un mèche, je pensais que c'était elle, genre la reine. Mais apparemment, il y a quelqu'un de supérieur à elle encore, dans la hiérarchie. Incroyable! Qu'est-ce que c'est que ça, frérot?
C'est quoi ce truc qui a l'air immense? Ouais, c'est quoi ça? Waouh! Attends, mais c'est encore beaucoup plus grand qu'un titan, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est incroyable, par contre, hein. La vérité, il est incroyable. Je sais pas ce que c'est, là. Ils nous ont sorti le Transformers ultime du côté des Skibidi. Ah, Skibidi grand-père, apparemment, n'est pas content de le voir arriver. Et j'ai l'impression qu'il le considère comme un ennemi. Après, je vais pas te mentir que vu la taille du bail, Skibidi grand-père, il va pas pouvoir faire grand-chose, hein. Qu'est-ce que tu penses faire? Bah, il disparaît. Très bien. Il a disparu en mode « je reviendrai ». Mais pour l'instant, je crois qu'il sait qu'il n'est pas assez fort. Quoi qu'il en soit, on avait prévu d'éliminer toutes les espèces de toute façon. Ouais, je pense que son but, c'est vraiment d'exterminer toute menace. Enfin, toutes les personnes, tous les personnages qu'elle considère comme ennemis, elle va s'en débarrasser, c'est sûr. Oh là 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 là, mais il est beaucoup trop fort, frère. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, sérieusement? Il fait genre limite deux fois la taille d'un titan. Or, qu'ils sont déjà immenses de base. Oh là là, ouais, non, je sais vraiment pas. Comment est-ce qu'ils vont réussir à le battre, hein, vraiment? Même s'ils se mettent à deux, il faudrait peut-être l'union de tous les titans à la limite, tu vois. Il manquerait Titan Speakerman, là. Mais là, ouais, ça me paraît vraiment, vraiment chaud, hein. Ou l'aide des titans Drillman et tout, mais... Ah, ça fait rien, hein. Vous avez vu? Tout leur coup, ça fait absolument rien. Scan complete. What? Ah ouais, ok. Ils voulaient peut-être scanner les titans pour pouvoir après les étudier et récupérer un peu leur pouvoir, peut-être. Je sais pas, mais c'est... C'est oufissime là ce qui est en train de se passer là. On a un combat de fou entre les titans et le... Je sais même pas comment il s'appelle. Si vous savez comment est-ce qu'il s'appelle, n'hésitez pas à me dire. Mais lui, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Quoique, attends, peut-être tentative désespérée. Il va peut-être faire son taf. Ou pas. Je crois malheureusement que non, c'est peine perdue. Beaucoup trop fort. Il faudrait soit... En gros, il faudrait soit qu'il s'enfuit. Soit que d'autres titans se ramènent, hein, je vois que ça en vrai. Parce que là, aucun coup, même pas une égratignure. Ils ont rien su lui faire. Ouais, non, ça sert à rien. Ils sont beaucoup trop faibles par rapport à lui. Regarde ça, il esquive tout. Ça lui balance des bâtiments, il a rien. À moins que... Quoique. Attends qu'il y a quand même un bout de son bras, de sa tentacule qui est parti. Donc, ils arrivent quand même à lui faire un peu de dégâts. Difficilement, mais ils y arrivent quand même. Allez, continue les refs, continuez et ça va le faire. Ok, non, bah par contre, il shoot tous les écrans. Aïe, 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 aïe. Là, ils sont en mauvaise posture. Ça met des droites, hein. Ça met des droites, ça met des gauches. Je n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Je vous avoue, j'essaye de suivre comme je peux. Il se passe vraiment, vraiment plein de choses. Là, ça attaque dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il a fait? What? Je crois qu'ils ont perdu. Il lui a chopé la télé. Ah ouais, là ils ont été battus. Aïe aïe aïe, les deux titans ont été battus. Ça va Titan Cameraman? Là Titan TV Man, il a pris cher là, vous avez vu son écran ou quoi? Oh là 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 là, s'il arrive à récupérer des titans, je sais pas du tout qui pourrait les arrêter à ce moment là. Ce sont censés être eux les personnages les plus forts du camp des gentils. Oh regarde comment il le soulève. Je crois qu'il va lui arracher la tête ou pas? Oh non, il va le planter. C'est certain qu'il va le planter. Aïe 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 aïe. Eh ouais. Ouah bordel. Quel épisode de fou. Et ça finit comme ça d'ailleurs. Oh là 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 là. Et on a terminé sur un combat de fou. Quand j'ai vu le gros monstre arriver, là j'étais pas prêt. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort. Si c'est le plus fort de tous les personnages qu'on ait eu jusqu'à présent. Mais vraiment, j'ai du mal à croire que là, on peut encore avoir plus fort, plus puissant, plus grand que ce monstre-là. Mais ne jamais dire jamais. Donc si ça tombe dans les prochains épisodes, peut-être qu'ils arriveront à le battre. Comment? Je sais pas. Mais en tout cas, je me suis régalé. Du coup, merci à Adom Studio pour cet épisode de Fou Furieux. L'épisode 29 a été... dinguissime vraiment, et j'espère que vous avez kiffé aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça les amis dans les commentaires, à laisser votre meilleur like, abonnez-vous, activez la cloche notif, et nous on se retrouve très vite, vous le savez, dans tous les cas, pour plein d'autres vidéos. C'est votre truc comme d'hab, ciao ciao.